Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster. On est toujours en live, n'hésitez pas à passer sur les lives le week-end si vous voulez profiter un petit peu des interactions. Et on était... putain, un gros engin, il est déjà rentré, rapide. On était en train de se préparer à s'occuper... Putain, ici on est encore à 90% plein. S'occuper de plein de choses, mais... On est un petit peu en déche de place, donc ici on est plein, ici on est comment? Ici on est plein. Ici on est plein. Et ici on est plein. On est beaucoup, mais beaucoup trop plein. Et grave trop plein. C'est terrible, c'est terrible. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors ici, il n'y a que lui qui est disponible. Faut peut-être qu'on attende un tour avant que les candidats arrivent. Et il va vraiment falloir qu'on se trouve un bâtiment, et donc ça va nous coûter 10 000 balles. Qu'on n'a pas, hein. On a 10 000 en tout, mais ça compte l'investissement dans notre tripot et l'argent que chacun a sur lui pour faire des trucs. Donc il va falloir qu'on investisse, on va vendre un peu nos ressources déjà. Genre là, on a du vin et de la bière. Il faut aussi qu'on fasse un petit tour. On va faire ça. Avec le signe, on va faire un petit tour pour vendre les ressources éventuellement qu'il a sur lui. Et surtout, pour négocier des prix. Donc ici, on lui vend l'absinthe. On va prendre 60%. Même si bon, on n'a plus d'absinthe pour l'instant, c'est pas grave. Ça sera utile quand ça reviendra. Squashy. Squashy, t'es là, t'as besoin de te soigner un petit peu. T'as rien sur toi. Tu vas rentrer là. Mathieu, pareil, tu rentres. Est-ce que tu sais, Canton, s'il y a moyen de se débarrasser des armes? Parce que, au final, il y a des trucs que j'aimerais bien juste jeter, quoi. L'un dans l'autre, ça serait déjà bien, quoi. Là, il y a une quête, donc on peut pas prendre sa compétence. Ok, ça se passe pas mal. Alors ici, il est tout seul, et du coup on peut pas le parrainer, c'est bien dommage. Normalement on devrait. Ici, 2100 si on veut la parrainer, 4000 pour lui, 3000 pour lui. Ouais, on pourra se forcer à se faire arrêter par les flics, ouais, pourquoi pas, c'est vrai que ça pourrait être une idée. Donc là il nous faut 2000 balles. Alors déjà on va passer faire ça. Pour lui dire toi. Je crois qu'on avait déjà une. Ouais, on a déjà une négociation pour la Mareto, donc c'est bon. On va passer là. On récupère des sous et on va aller parrainer notre candidat préféré. Hop là, voilà. Et donc l'autre, on a un légaliste ici, c'est celui qui était en poste. On a un adversaire qui est agressif à seulement 1900. Ça pourrait être intéressant, hein. Que Malvin fasse son petit dépôt. Squashy, tiens, en parlant de dépôt, vas-y, dépose et après soigne-toi. Mathieu, il arrive. Là, on va passer chercher de la thune. On va en laisser un peu quand même, mais il faudra qu'on vende. Hein. Alors, si on veut vendre du vin. Voilà, c'est tout con, mais après tout, c'est aussi de l'argent, hein. Voilà. Et sur nous, on a aussi pas mal de bière. Alors la bière, j'aime bien la vendre à la gare, mais je crois que c'est à partir d'août. Ouais, on peut importer de la marchandise. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas trop le thème.
Il va falloir qu'on aille tout simplement investir dans une organisation rivale hein, pour se financer, je pense. Ça me paraît un bon thème. Est-ce qu'on a des gens sympas à recruter? Genre quelqu'un d'intelligent ou diligent, un truc du style? Non. Curieuse et intelligente. Ouais. Pourquoi pas, mais seulement deux compétences, c'est un peu dommage. Organiser, non. Ouais, bon, et on a une personne intelligente éventuellement à mettre à la tête de l'alambic là. C'est bien, mais pas ouf. Moon, t'en es où dans ta production d'alcool? 450. On va aller récupérer de la bière. Ce qu'il faut pour que la production se fasse. Okay, ici il y a une descente. Ici il y a une descente. On a quelqu'un qui a des dettes. On vend plein de trucs. C'est parfait. Ici. On va récupérer un peu de bière juste pour que la production puisse se faire. C'est vrai qu'en plus il produit des meubles, alors 10 meubles pour le coup, ça pique quoi. Ça pique, ça pique. Où est-ce qu'on peut vendre de la bière? Plein d'endroits. Est-ce qu'on peut vendre de la bière de ce côté-là? Ouais. Donc on va aller vendre de la bière par là. Bah lui en plus on va pouvoir négocier le prix. Histoire d'avoir assez d'argent pour aller investir par là. C'est quoi ta quête? Stock de moonshine. Ouais, ça peut faire pas de mal de vendre ça. Mais avant, ce que j'ai besoin, c'est de vendre de la bière chère. Et t'en prends que 17 pots. Putain. Il y avait un autre endroit dans le coin où il y avait de la bière. C'était là-haut ou c'était là? Ok, bon, on va faire les deux. On a jusqu'à fin août, enfin jusqu'à août pour le... Une bière derrière boutique, non. Pour l'instant, déjà j'ai du mal avec le bâtiment, on va se détendre. Je vais juste vendre ma bière. Voilà, et après on va aller la vendre. C'est ici. Mathieu est rentré. Hop, tu te soignes. Petite réparation, t'as pas assez de points d'action, ok. Le mec qui a des dettes, on va passer le voir, mais après. Peut-être envoyer Squashy d'ailleurs. Ah bah ici on vient à l'instant de déposer suffisamment. Pas de bol. Dommage, ça fait perdre du temps à Ruby. Hein. Ah il veut pas nous. Ouais, il veut pas nous vendre des trucs parce qu'on l'a extorqué. Bon, ok. Toi là. Si tu nous parlais en bien là. Voilà. Voilà, on, tu vois, on est super gentil. Achète-nous de la bière. Et donc pendant qu'on est là, on va pouvoir parrainer. Alors. Celui-là. C'est parti. Et il est tout là-bas. Ok. Dans la vache, il est même pas dans, la même, dans le même district quoi. Bon, bah on s'occupera de ça du coup quand ça sera lancé. Ici, il est toujours tout seul. Du coup, on peut pas parrainer quand il est tout seul, c'est dommage. C'est bien dommage, on va quand même aller discuter avec lui. J'imagine que si je nomme une personnalité, je la parraine automatiquement, ouais, hein, logique.
Ah, y a plein de gens de la famille là. Éventuellement. Paresse, immorale et insolent, et en plus elle a tendance à la corruption. Mais ça fait chier, j'ai investi sur lui là. C'est dommage hein, si on peut pas le retravailler là. Bon bah s'il faut on parrainera un autre mais c'est quand même triste. Alors toi, t'as une ardoise. Une nouvelle voiture me serait utile. Je cherche une nouvelle voiture, celle qui arrive devant, c'est la vôtre. Lavez-la, elle est vraiment très sale. On va prendre la voiture. Ça peut toujours servir. Si clairement, je préfère des pick-up, même pour les mecs qui sont des muscles. Hein. Et donc, il est peut-être temps de retourner voir un peu comment ça se passe par l'organisation Carpenter. Ils sont plus que 3. Et je pense que leur leur coin est là. Donc on va envoyer Squashy et Marvin. Est-ce que j'envoie, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'envoie le signe aussi pour vraiment s'en occuper. On va essayer d'en tuer un, on va explorer la zone avec les points de mouvement de Squashy pour le faire monter vers son rôle qui va bien. Et je me commence à me demander pourquoi Squashy prend pas de niveau quoi. À moins d'avoir l'expérience. Elle a deux bonnes conduites et deux bagarres à tout va. Si on prend genre Mathieu, il a combien de niveaux? 2. Et si on prend un de nos capitaines, toi, Moon. Ouais, non, t'as bien 5 niveaux. Je me suis demandé si j'avais pas à tout hasard fait une connerie, puis genre j'ai fait une compétence à un moment, ça n'a mettre capitaine. Mais Squashy, si j'avais l'opportunité, je l'aurais mis capitaine, forcément. Je vois pas pourquoi elle prend pas de niveau. Je vois pas pourquoi elle prend pas de niveau. Mathieu, ça aurait été bien que tu déposes ta thune en fait. Je vais revenir, tant pis, c'est pas grave, on va perdre un petit peu de temps. Ici, il y a beaucoup trop d'argent. On va en récupérer un petit peu, voilà. Et on va aller investir, je pense, dans un nouveau personnage. Ah, ah bah non, je me suis dit c'est peut-être Squashy, mais non. Ziki, t'aurais bien besoin d'un petit peu de compétences, je pense. On va te mettre un petit point d'action pour que t'ailles encore un peu plus vite. Là, on vend de l'amaretto. On vend beaucoup d'amaretto. On a bien derrière la boutique. On vend du brandy. Ça fait plaisir. Il va falloir qu'il aille déposer cette thune à un moment, Marvin. Alors Mathieu, tu vas me déposer ton argent et ce pistolet de poche. Et tu retournes voir Squashy. Squashy. Coucou. Alors, Squashy, je pense qu'elle est quasiment capable de se démerder toute seule. Il y a un fusil en face quand même, enfin un pistolet. Et elle nous a raté. Et par contre, nous, on l'a pas raté. On va la faire se reculer, on va voir s'ils viennent me titiller ou pas. Nous ici, on peut toujours pas le parrainer, donc tant pis, hein, s'il veut pas qu'on le parraine, et bon, on va parier sur quelqu'un d'autre. Hein. Hélène Noire, Noire contre Noire.
Ou alors André Noir, mais il est maladroit, il a un caractère agressif. Je pense qu'on va parrainer Hélène. Alors c'est pas gagné, hein. Mais on va tenter. Puisque lui il veut pas qu'on le reparraine, on va tenter. On va essayer de dépiler peut-être quelques quêtes. Là il faudrait qu'on livre du moonshine. On en a toujours en stock. Ouais, on en a carrément en stock, donc on va faire ça. Il y a beaucoup de monde là. On a 3000 balles, ça fait plaisir. Et on va prendre 40. Voilà, 40 moonshine. Et donc c'était là. On va écouler nos stocks. Alors, une Winchester, plus de camions. Ou l'argent. Plus de camions, j'avoue que j'aime bien l'idée, parce que les pick-ups c'est cool, mais à un moment, ce serait bien de pouvoir avoir des camions. J'espère que ce sera des camions. J'espère que ce sera des camions. Bon, du coup, il faut quand même qu'on fasse la... tout ça, là. Il nous reste un petit peu de bière. C'est pas toi qui as acheté de la bière? Tiens. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Notre objectif, ça va être de récupérer 10 000 balles pour se prendre un bâtiment. Ou, éventuellement, si on n'arrive pas d'ici là, on essaiera d'en choper avec les gens qu'on aura fait élire. Les uns contre les autres, est-ce que toujours la famille et tu places plusieurs personnes à la fois? Bah là, en l'occurrence, dans ce DLC, donc ça c'est la nouveauté du DLC, hein, de pouvoir faire le côté politique, tu peux choisir un candidat que tu vas parrainer, et en fait tu vas voir quand les élections auront commencé, donc c'est entre août et novembre, on va pouvoir aller les voir, leur dire, bah tiens, ce serait bien que tu fasses telle action, va dans un endroit sympa pour faire un discours, etc. Pour gagner des intentions de vote et essayer de les faire gagner quoi. Et si on fait gagner notre candidat, on peut après lui demander des choses pendant qu'il est en poste. Sauf que la dernière fois j'avais parrainé Marvin Noir qui avait gagné. Et là il voulait pas que je le reparraine. Alors je sais pas si c'était automatiquement reparrainé, mais vu ce qu'il me disait quand je lui parlais, ça avait pas l'air. Ou s'il fallait que j'en parraine un autre, donc je sais pas trop. On va voir. On va voir si on arrive à gagner. Là c'est pas dit qu'on gagne du coup dans ce district qui m'embête un peu, mais bon tant pis. Ici on a des bonnes chances, je pense. Je pense qu'on a des bonnes chances, et là elle est déjà en poste donc on a toutes les chances aussi. D'ailleurs là il n'y a pas la petite couronne, bizarrement. Il faut peut-être le tour d'après, ça va apparaître. Ici, ça donne quoi du coup? Il y a ce qu'il faut, ça y est, pour faire plus d'amaretto, bah voilà. Voilà, ça vient. Ça vient, ça vient. Zikino commence à se roder. Alors, il faut qu'on achète des petits tonneaux. Des petits tonneaux, des petits tonneaux, des petits tonneaux. On en vend ici. Ce qui nous aime bien, eux. Beauf. Et toi, beauf. Et c'était là, je crois, les autres petits... Non, c'est les barils ici. C'est là qu'ils vendent des petits tonneaux. Ils nous aiment pas non plus particulièrement, pas de chance. On va aller là, il y a peut-être moyen d'utiliser notre faveur ici. C'est quoi ta quête? Améliorer la production de bière. Pour un peu de sirop de malt et des pots engrais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que tu saurais m'améliorer avec elle? Non. Non, les districts c'est les mêmes, j'ai regardé, tu vois, cabinet politique et circonscription de police c'est les mêmes. Ils ont pas complètement fait chier à faire un truc un peu mix, surtout quand tu peux utiliser, quand tu fais passer la bonne loi, tu forces à faire passer la bonne loi, tu peux utiliser les cabinets politiques pour corrompre les flics à ta place. Du coup, ça serait horrible s'il fallait, si c'était mix quoi. On va pas se mentir, t'en as 350 toi, il nous en faut 15. Allez, c'est parti. On a la place de les prendre, on prend. C'était juste là. Oh,
Hop, on lui file ça. Alors, on peut recevoir de la bière, alambic de fortune, du moonshine, construction de garage, un peu d'argent. Alors, la bière, c'est cool, mais on peut pas la stocker, quoi. Alambic de fortune pour fabriquer de l'alcool neutre, sauf qu'on fabrique du moonshine sans alcool neutre avec notre compétence de départ de ce DLC. Ouais, construire un garage, pour l'instant, c'est pas très utile, quoi. Ça, c'est hyper intéressant parce que pour 150, on vend ça à presque 2100 balles à la gare. Le problème, c'est qu'on n'a aucun endroit où le mettre. On va prendre quand même. On va l'envoyer au Murphy's. Non, ou là. Et puis on va aller le récupérer. Est-ce qu'il y a plus tout mettre? 89% plein, ça va. C'est pas tant que ça en fait. On peut même se permettre d'attendre un peu. Alors, tu connais des gens qui seraient prêts à acheter du matos. On va faire ça parce que ça nous permet aussi de débloquer des compétences. Hein. Avec un peu de bol, on va trouver les bonnes compétences à un moment. Blanchiment d'argent, production de vin en brique, de cidre, du malt. Non. Ok. Et toi, tu m'apprends quoi? Waouh, c'est bon. C'est HDP Corp, HDP Corp, c'est Joseph Fischer. Votre quête contrebande, c'est pas mal, mais pas utile. Dans notre contexte pour l'instant, en tout cas. Il y a lui là qui connaît quelqu'un, bon, on va y retourner. Comment on est toi? Toi t'étais en train de faire ton chemin, ici on avait mis une petite tatane. On va passer. Il se replie visiblement. Alors, lui doit payer sa dette, on va y aller. Le signe prend un petit niveau. Plus de mouvement. Ah, Squashy prend un niveau. Capitaine pour Squashy. Squashy capitaine! Et Julia a pris un petit niveau. Julia, c'est elle qui travaille sur la bière. On va prendre le pro de ruelle. Et donc là, normalement, si on va là, Squashy, elle a tout ce qu'il faut. On va mettre Squashy exécution. Cette recrue sait manipuler toutes sortes d'armes et sait utiliser ou juste les montrer. Envoyer cette personne comme une démonstration de force ne suffit pas. Alors, elle fait de baisser le prix des commerces de façade et permet d'organiser des casses. J'envisage de monter un coup. On pourrait faire un casse contre des banques avec Squashy. Mais il nous faut un Colt. Attends, dans tous les trucs qu'on a, on n'a pas de Colt, quoi. Sérieux. La tristesse. La tristesse absolue. Alors, toi, parle-moi de... des gens que tu... Donc toi t'es ouais t'es du côté des rouges par contre. O'Neills, Michael O'Neills, c'est quoi que tu nous apprends? Alambic et Amaretto amélioré. Ok c'est cool mais pas hein, ça vaut pas le coup d'aller tout là-bas. Bien, 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 bien. Du coup, Squashy, ma chère. On ferme ce commerce de façade. Voilà. Et toi, Mathieu, tu vas continuer de travailler sur l'exploration. Il y a des rouges qui sont proches. L'autre, elle est allée se reposer.
Là, il y a un bâtiment qu'on connaît pas. Ok. Alors, on pourrait pas attaquer ça parce qu'il y a les flics sur place, c'est dommage. On va essayer de trouver d'autres trucs intéressants. Et rester en couverture de Matthew quand même. Hein. Parce que s'ils veulent venir le chercher, pour l'instant, ils sont quand même plus ou moins obligés de passer à côté de nous. Donc ici, il nous fallait des briques. On peut acheter des briques ici, mais à mon avis, pas avec un prix intéressant, non. Normalement, on les achète... Ah, on les achète tous nos briques d'habitude. Ah bah, probablement là. Bon, du coup, toi, ça m'arrangerait qu'on s'entende bien. Mais visiblement, tu t'en fous totalement de ma vie. Parfait. On va aller récupérer notre voiture pour la peine. Il y a des gens qui vendent des briques aussi par là, là. Heureusement que nous avons trouvé un compromis. Maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais ne jamais revoir votre trunk dans l'un de mes établissements. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Un véhicule à deux portes. Bon. Ça peut servir. Pas ouf, mais ça peut servir. Ici, ça se passe comment? Oula, on a perdu 1600 balles au 600 balles au dernier tour. Ah oui, il y a eu du gros gain, là. Va falloir peut-être truquer un peu tout ça, ma chère. Ah, faut le renvoyer. Ouais, bof, mais j'ai pas envie de le renvoyer, moi. J'ai envie que... J'ai envie qu'il bidouille pour... le mettre dehors comme ça. Bon, après il va vouloir revenir hein. C'est quoi ta quête? Non, non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Il est où son truc à elle? Ok. Ah bah il est juste à côté de chez nous, il est juste là, ok. Est-ce qu'il y a des gens là? Il connaît quelqu'un qui pourrait nous être utile. On va aller faire un tour ici. On va essayer de dégoter le speakeasy de quartier, ça nous aiderait tellement. Ton ami Léon, vas-y, parle-nous de ton ami Léon. Ah mince, il nous propose rien d'intéressant. En même temps, il peut pas nous saquer, donc... Je peux comprendre. J'aimerais bien se terminer cette quête à un moment. Alors, Julia... Julia, on a dit que ce serait Chocho. Julia Chocho Martin. Alors, on peut faire un braquage. On a vendu de la maréto, on a acheté du sucre, on a acheté des bouteilles, mais il n'y en avait plus. C'est pas grave. Il faudrait qu'on chope un petit colt. Est-ce que... Alors c'est dans les planques que c'est censé être disponible, ce qui veut dire qu'a priori dans toutes nos planques on a pas un seul colt. On a des pistolets de poche. Pas mal de crans d'arrêt, de couteaux et compagnie. On a plein de Winchester, mais non, il lui faut un colt quoi. Squashy, tu m'embêtes. Faut dire ce qui est. Tiens bah toi là, tu saurais pas réparer mon taco? Non, t'as pas assez de points d'action. Bah on va aller profiter du fait que notre sympathique policière s'est éloignée. Et on va attaquer ça. Et on va en profiter aussi pour... brûler ce petit bâtiment. On va se replier histoire que l'attention n'attire pas des flics, parce qu'ici on corrompt pas hein, donc faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. Hop là. Alors le signe, donc ici malheureusement... Ah, tu connais encore des gens qui pourraient nous être utiles. Ah bah go.
Ta sœur. Parle-nous de ta sœur. Alors, Stelvana Frolov. Si c'est à S comme Stelvana Frolov est à la fin. Non. Alors, nanana, Steven, Stelvana Frolov. Alambic et Amaretto améliorés. Mais non, mais fou. C'est terrible, c'est terrible. Bon, après, on débloque aussi des recrues. On va jeter un œil vite fait aux recrues. On veut quelqu'un organisé, on a personne de nouveau. De diligent, on a personne de nouveau. Et d'intelligent, on a personne de nouveau. Ok, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Les gens efficaces n'ont pas l'air légion dans cette ville. Hein. C'est bien dommage. On va aller terminer cette quête, on a suffisamment d'argent. Ça fait trop longtemps qu'elle traîne. Hop. Ah, excusez-moi, je mets en pause 2 secondes. Hop là, excusez-moi. Je suis dit qu'il y avait besoin de moi pour choisir des petites boulons. Au magasin. Alors, on va obtenir cette compétence. Je sais absolument pas à quoi elle va me servir. Hop là, compétence. Toc toc toc, établissement UP. Ouvrons votre propre. Donc ça va nous permettre d'ouvrir des trucs un peu plus. D'accord, ok, pourquoi pas. Admettons, mais surtout ce que ça va faire. On nagerait dans la bière artisanale. Ouais, bon, on va en profiter pour liquider un peu de notre réserve de fou de bière artisanale. C'est ici que je l'ai stocké. Ouais, c'est ici que je l'ai stocké. Donc on va en profiter tout de suite. C'est parti. Toc, toc. On peut en prendre combien sur nous? 77. On en prend encore un peu. Là, il n'y a pas ce qu'il faut pour produire. Hein. Parce qu'ils ont produit déjà. Il n'y a pas très longtemps. Donc on va surveiller ça, mais c'est pas pressé. Il nous en faut 23 pour compléter, c'est ça? On n'a plus le mouvement. Ici on est bien. Alors. Soren Clark a gagné de l'expérience. Une descente, c'est pas grave. Oh, ici une descente juste sur elle. Je sais pas si elle s'est fait choper ou pas. Alors, Soren, c'est notre responsable de Speakeasy et pourra devenir capitaine. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Porte-parole, comptabilité, agent. Ouais, elle a pas fait grand chose dans sa vie à part vendre de l'alcool. Donc je pense que on va la garder. Zut. Toc. On va la spécialiser dans la vente. De toute façon, un jour on va réussir à faire un speakeasy de quartier. Hein. Et ce jour-là. Et eh ben elle pourra nous rapporter un max de sous. Alors, un pistolet de poche ou de la thune? De la thune. Ça commence à bien faire les armes. Et du coup, j'aimerais bien en savoir plus sur le blanchiment d'argent. 2500 balles. Et eh ben, on fera ça. Le blanchiment d'argent, ça nous permettra d'améliorer notre... maison de jeu. Pourquoi ça dit que t'as terminé? Merci pour votre aide. D'accord. J'ai donné 2500 que j'avais sur moi peut-être. Je crois pas que j'avais 2500 sur moi. Bon, ok. Peut-être un petit bug, on va pas s'en plaindre. Hein. On a cette compétence du coup Kratos. C'est toujours ça de prix. Toc toc toc, ok.
On n'est pas encore fin août, début août, donc on n'a pas encore la possibilité d'aller aider nos recrues. Donc là, on est d'accord. Ici, on soutient elle. Ici, on soutient Hélène Noire. Et ici, on soutient Marvin Sharp. Et il a un bon budget de campagne par rapport à ses concurrents, c'est cool. Alors peut-être pas forcément besoin de faire des dons. Manuel, un tarif, t'as des sous, tu vends des trucs, ok, tu fais ta vie. Squashy! Il faut qu'on trouve un petit revolver. On va aller voir ce sympathique policier que l'on connaît bien. Un petit Colt. Voilà. C'est bien urbain de ta part, mec. Toi, tu connais des gens. Parle-nous. Alors, Bernice Ross. Bernice Ross. Bernice Ross. Bernice Ross, alambic, vodka de contrebande. Ça marche pas. On va aller. Par contre, elle achèterait de l'alcool de qualité, ça peut être cool. Tu connais quelqu'un? Parle-nous de cette personne. Michael Ross. Production de vin en brique et alambic. Ils veulent pas nous la filer cette compétence, hein. C'est un truc de fou. Bon, est-ce qu'on fait un petit casse avec Squashy? Si on fait ça, faudra sûrement qu'on replie Marvin. On va aller lui faire explorer cette zone un peu plus safe. Tiens, puis il y a quelqu'un qui nous apprendra des choses intéressantes là-bas. Il y a une quête ici, c'est quoi? Stock de vin contrefait. Bon, bouf. Ouais, on va peut-être replier Squashy et puis préparer un casse. Vu qu'on a de l'argent sur nous, de disponible. On va voir si c'est rentable. On va déposer sa Winchester, juste histoire d'être sûr de ne pas la perdre si elle se fait prendre, et on va aller discuter avec elle. J'envisage de monter un coup. Alors, bah mon Colt, hein, il l'a foutu où? Je l'ai pris sur moi? Ah, je l'ai pris sur moi. On va aller le déposer. Prêt pour un casse, Squashy? Ah, c'est tellement plein que on peut pas mettre le Colt, zut. On va prendre du maïs. Ici, est-ce que je peux déposer un Colt? C'est 93% plein, ça devrait aller. On va déposer le Colt, on va prendre l'amaretto. Non, des fruits, on fabrique des fruits ici. Ouais, on fabrique des fruits ici. On trouve quelque chose à faire avec ces fruits. Ok, normalement là du coup, toc, toc, toc. Je l'ai pas posé? Si, je l'ai posé. Ou alors il faut qu'il soit vraiment dans la planque avec les sous, peut-être. Est-ce qu'il y a 1000 ici? Parce qu'elle est juste à côté de cette planque. Donc il n'y a pas 1000, donc ça veut dire que c'est pas forcément cette planque là pour l'argent en tout cas. On va passer le tour, on a un petit niveau, c'est Catherine qui a un niveau, ah c'est notre chef de table, vas-y. Continue de nous donner plus de chance. On a un nouveau souvenir, votre mitraillette Thompson préférée. Oh. Cette mitraillette Thompson accrochée derrière vous rappellera à vos visiteurs que si la situation se complique, vous ferez ce qu'il faut pour y remédier. Et c'est juste un objet de décoration, n'est-ce pas? Et on a la boîte de munitions qui va avec. Nickel. Alors, si je dépose le Colt ici, est-ce que ça marche? Yes, ça fonctionne. Allez, c'est parti. Viola Squashy Hoffman prépare un énorme coup dans l'un des établissements financiers de la ville. Il reste 35 jours. Elle fait le tour des banques en voiture en recherchant des points faibles. D'accord, donc du coup elle est indisponible. Ok, elle est partie pour faire son casse. Très très bien. Monte un coup.
ici on a encore un petit hôtel. On va pouvoir aller voir cette personne qui connaît des gens. Alors, elle connaît des compétences également, c'est Vera Tyler. Vera Tyler. Alambic Amaretto amélioré. C'est un truc de fou, hein. Ça veut vraiment pas. On dirait que le Speakeasy. Alors, j'ai pas lu que c'était désactivé ou quoi que ce soit dans le DLC. Mais on pourrait le croire, hein. La vache. C'est ouf. Ici, un commissariat. Ok. Malvin, tu vas continuer d'explorer ce que tu peux explorer dans ce coin-là, sans trop te rapprocher des rouges si on peut. On ira ici après. Et le signe de noir, t'as un truc d'amaretto. Bah, tu vas aller le déposer dans le truc d'amaretto, pas la peine de le vendre toi-même. Hop. Voilà. C'est 51% plein, ça se vide. Il manque un petit peu de fruits à coque. Ah, on n'a pas réactivé l'achat de fruits à coque qui va être temps. Tu ne sais pas ça. Hop, on va activer l'achat de fruits à coque. On va peut-être rater là. Ouais, on va voir. On va voir. Alors, ici, on n'avait pas été faire un tour non plus. Il y a plein de gens qui connaissent des gens utiles. Il y a plein de gens potentiellement rançonnables. D'ailleurs, là, il y avait une personne rançonnable ici. On va y aller. Hop là. Il accepte. C'est gentil de sa part. Maintenant, ici. Ces gens reconnaissent des personnes qui nous intéressent. Donc déjà on va faire ça tout de suite avant qu'ils nous aiment plus. Voilà. Alors Annie Cook. Alambic et Amaretto amélioré. Non, ça ne nous intéresse pas pour la peine. Voilà, une petite extorsion. Toi. Voilà, tout va très bien. Ici. Ton ami Aurora. Rencontrons ton ami Aurora. Aurora Ferrari. Elle était là. Alambic et Amaretto amélioré. Bah dis donc, ça veut pas. Du coup, vu que ça veut pas, on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire un petit au revoir dans la VOD, je suis désolé pour la petite pause tout à l'heure. N'hésitez pas. Moi, je bois un coup parce que la température monte dans cette pièce. Et merci à toutes et à tous.